Alors ça, c'est la jungle, hein. Alors il y a beaucoup de choses, il y a des concours, il y a des, on peut recevoir des prix, hein. Il y a des fondations qui peuvent donner un coup de pouce, il y a des clubs de business angels, c'est-à-dire ce sont des particuliers qui mettent de l'argent dans des startups. Alors il y a la scène des venture capital qui ont un peu plus de moyens en général, certaines banques cantonales, il y a des partenaires industriels, il y a sa famille. Voilà. Alors la question c'est comment est-ce qu'on navigue dans cette jungle, hein? Alors, moi, je dirais peut-être de s'adresser d'abord au canton, et le canton peut vous aiguiller. Et si vous avez un projet, disons, technologique, c'est de s'adresser à la CTI à Berne. Et les uns comme les autres peuvent mettre des coachs à disposition qui vous expliquent comment est-ce que toutes ces choses-là fonctionnent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le grand travail, c'est l'entrepreneur qui le fait. Hein. En fait, c'est un grand travail de lobbying, de marketing, de vente. Il faut utiliser tous les canaux. Et il ne faut pas avoir peur là de mouiller sa chemise. Hein. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en concurrence avec d'autres projets qui cherchent aussi de l'argent. Hein. On n'est pas en concurrence forcément avec une solution technologique identique, mais avec d'autres projets. Voilà, c'est dur, mais on y arrive. Un bon projet trouve toujours de l'argent. C'est une question de temps.